J'ai pas vu ma tête sur le retour caméra. Patrick dans les backstage, tu peux me dire si... Attends, ça passe. Hello. Mais en fait, moi, je vais voter pour qu'on arrête les introductions sur YouTube. C'est gênant. Aujourd'hui, on va faire avec Romy, ma petite sœur. On va faire des maisons en pain d'épices. Mais, en compétition. Parce que Julia, sans le mot compétition qui va avec, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on a plein de petits trucs, de petites confettis. Et on va devoir faire la plus belle maison en pain d'épices. Tout en répondant à des questions que vous nous avez posées sur Instagram. Donc, si vous me suivez pas sur Instagram, allez le faire tout de suite. Comme ça, vous pourrez participer aux prochaines vidéos YouTube. Duck face. Ah. Dab. Mais là on va se répartir les aliments. Tu mets ça un peu de vie. On se répartit tout. Vachement. Évidemment. Ouais, regardez son verre d'eau. C'est un verre de glaçon. Il fait trop la meuf. Arrêtez. Non, je coupe pas son dalle. J'ai eu beau faire toutes les boutiques de Paname, je n'ai pas trouvé le truc de pain d'épices, genre vous voyez les trucs de construction, c'était en rupture de stock partout, j'étais choquée, genre, vous n'en m'avez, vous n'en avez même pas laissé, non mais vous m'en avez même pas laissé. Oh ça y est, écoutez ma sonnerie, c'est Gossip Girl. J'ai pas reconnu. Comment je vais perdre? Moi tout ce qui est manuel j'adore, mais lui il m'adore pas. Non. Je disais tout ce qui est manuel. Tout ce qui est manuel j'adore, mais lui ne m'adore pas. Oh putain tu m'as mis dans la tête. La première étape ça va être de construire une maison à base de ça. Ça va être pitoyable, genre j'ai trop hâte de voir à quoi ça va ressembler, comment je vais d'être ça comparé à toi. Première question. Ben non mais mange pas, tiens prends ça, prends. Alors pour commencer, qui est la préférée de la famille? Comme ça on pose les bases ici. Même si on me rajoutait Vincent ce serait elle. Eh je suis en meuble Ikea là, ça y est. Comment tu vis le fait que avec Vincent on n'est pas tout le temps à la maison? Surtout Vincent en vrai. L'année dernière c'était beaucoup moi, mais là c'est surtout Vincent. Vincent quand il est parti ça m'a fait un peu bizarre. J'ai pas trop compris. En fait il est vraiment parti du jour au lendemain. Genre il nous l'a vraiment annoncé du jour au lendemain. Ça m'a fait bizarre, mais je sais pas, je me suis vite habituée au fait qu'il n'est plus là. Et pour toi bah t'es trop là en fait. Non, quoi? Mais t'as intérêt de rigoler, ça va pas ou quoi? Je suis là tout le temps à faire tes devoirs et tout en physique, chimie et maths. Tu vas me donner une tranche? Ah non, alors ça tu vois j'y ai pensé. Je me suis dit, elle va galérer, elle va me demander une tranche à moi. J'aurais jamais essayé. C'est grave si genre le toit de ma maison, enfin le dessus il est un peu bizarre. Mais déjà tu parles mal ma belle, hein. Je vais gagner la compétition, c'est pas possible. Ok, donnez les qualités et défauts de chacune. Défaut, j'ai. Qualité, laisse-moi. Je te laisse un peu de temps. 30 minutes, tout ça? Pour toi, une qualité, t'es trop drôle. T'as grave du caractère et tout, c'est trop drôle. Et ton défaut, c'est que t'as trop de caractère. On a les défauts de nos qualités, genre. T'arrives pas à trouver la limite entre le drôle et le méchant. Et t'es trop susceptible aussi. Non, moi, je suis grave susceptible. Par exemple, tout à l'heure, les amis peuvent en témoigner. Genre, avant, ça pour moi, j'aurais jamais réussi parce que j'avais pas d'autodérision. Par exemple, tout à l'heure, au collège, je me suis brûlé les portes dans la gueule. Quoi? J'ai rigolé. Bah, encore un vrai! Je t'avoue! Devant tout le monde, ça aurait été encore plus la honte, je trouve. Genre... Juste parce que les gens ils tiennent pas la porte là, t'es gros casse-ou. Romy, j'ai mal calculé. Tu t'auras pas de tour. Ah si. Bah, à deux fois. Ouais, bah, ouais. Bah, j'ai hâte que tu vois aussi. Bah, ouais, je t'ai. Non! Bah, ouais, c'est une femme. Et alors? Je suis ta soeur, et alors? Je suis choquée, j'ai mal fait mes calculs d'architecte. Oh yeah, baby! Ok, tu fais un barbecue ou. Oh my god, bah tu sais quoi, il y avait des questions en mode c'est quoi votre pire honte à toutes les deux, genre bah let's go. Tu sais que Romy, sa pire honte au monde, ça a été lors d'un one man show. Enfin, et genre c'était Caroline Vigneault qui est genre incroyable. Hé hey, quoi? Tu prends partie d'elle? Romy, elle a trop mal vécu le show, elle était au bout. Après, de la juste ma mère, elle est un peu parfois à l'ouest on va dire. Il faut expliquer le contexte, c'est que là le show il commence à être hot. Moi je me souviendrai toujours, elle avait dit maman passe au sujet tabou. Et là il y avait les lumières rouges, elle s'est allumée, maman m'a fait bouge-toi les oreilles. Du coup elle dit est-ce qu'il y a des enfants dans la salle pour préparer un peu le public. Ma mère dit oui là. Romy au bout de sa vie. La meuf elle me fait attends je te vois pas là, lève-toi, allume les lumières. Ouais c'est ça. Et là, tout le monde se retourne. Elle fait mais wesh elle est sérieuse. Après je me suis levée, je suis allée la voir, je lui ai fait une percute droite gauche bim. En vrai j'ai fait mais bref du coup c'était vraiment la honte. Imaginez-vous 10 000 personnes qui vous regardent en l'un de toi frérot. On était pas à 10 000, j'avais 50. Moi j'aime trop quelqu'un, je suis grave abonnée à elle.
T'as un problème? Tu te casses ici. Bon là je suis en train de mettre le glaçage en mode colle. Je mets toute ma force. Est-ce que à l'école t'as des remarques du fait que moi et Vincent on est sur les réseaux? J'ai vu des moments très gênants. Parfois il y a vraiment des gens, ils font exprès pour que j'entende genre. Eh, c'est pas elle la sœur avant son âge. Attends juste, je vais montrer. Genre regardez la structure. Mais comment t'as fait? Tu sais quoi, vas-y, ça me passe les c***** déjà. Là c'est la structure, ma maison en pain d'épices. Et maintenant on va passer à la décoration. J'ai trop hâte. Tu peux balancer du coup? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est un caca. C'est une maison de gladiateurs. Regardez tous les pieds qui ressortent. On va dire, il y a une fille, elle s'appelle Sylvie. Un jour, j'arrive au collège et tout. Et elle me dit, c'est vrai, t'as la soeur avant son Nadal. Pour moi, ce serait grave une honte. À ta place, je me cacherais. Il est trop gênant. Elle commence à le tailler et tout. MDR. Après, c'est pas, je croise un ami à lui. Il commence à me parler, genre, sans avoir le contexte de ce qui s'était passé avec Sylvie. Je dis, ouais, tu sais que Sylvie, Tatachi et tout, qui l'ont croisé, ils ont pris une photo avec et tout. Ah, PTDR. Ah, ok. Encore à la limite, tu dis que Vincent t'aime pas son contenu. Vas-y, pas de galère. Mais moi, si en plus, tu vas voir sa petite sœur à l'école pour lui reprocher un truc qui n'est pas genre de Romy, bah vraiment genre t'es mignonne. Non mais Romy, tu préfères Vincent ou Julia? Vincent. En vrai je sais que tu préfères Vincent. Non, en vrai de vrai je préfère vraiment Vincent. Genre je les aime tous les deux et ils sont tous les deux très gentils, même si Vincent est plus gentil. Non, wow, je rigole. Tu vois que non, je préfère. Je rigole, mais c'est pas pareil. Genre j'ai trop une idée, pour l'instant ça ressemble à ça, genre c'est un peu stylé quand même. Idée, en gros. Mon but, ça va être de remplir le toit de ça là. Romy, as-tu déjà eu un amoureux? Non. T'as un crush en ce moment ou pas? Non, je ne l'ai pas. Mais j'en ai pas, oui. Je vais mettre du miel pour que ça colle. Ah, dégueulasse. Du fait de notre écart d'âge, est-ce qu'on s'est toujours bien entendu ou c'est depuis quelques temps qu'on s'entend mieux? Perso, je trouve qu'on s'embrouille beaucoup moins qu'avant. C'est vrai, on est plus solidaires vis-à-vis des parents. Avant, vraiment, j'étais hyper méchante avec toi. En plus, genre, c'est trop bizarre, mais dites-moi si vous avez eu la même chose. Dans ma tête, je me disais, en fait, si on s'engueule, ça veut dire qu'on est vraiment des sœurs et du coup, c'est trop stylé. Genre, c'est comme les grandes filles, tous les grands sœurs. En fait. Ouais, je te jure, c'est grave ça en fait. Regardez comment c'est archi stylé. Genre. Là, il y a le miel, ok. Du coup, ça s'accroche. Attends, c'est beaucoup trop stylé. Imaginez si dans la vie il neigeait en rose. Le monde serait tellement plus heureux. Trop nul, t'as même pas remarqué. Quoi? Mais mon truc, il est tombé. Tu me l'as enlevé ou? Mais non, il est tombé. En gros. Tu me l'as juste enlevé, t'es une grosse. Ouais, j'ai douté en mes capacités et tout de faire tenir des cheminées en sucre d'orge. C'est la pire bêtise qu'on ait faite ensemble. En vrai, on n'a pas fait de bêtises, genre, on est trop sages. Non, quand j'étais petite, j'envoyais mes sandales sur les gens. Quoi? À la plage. Maman m'a dit ça. Calme-toi. Je serais un canard, on dirait Donald. Quel est votre indispensable en maquillage? Là, je trouve que le truc qui fait vraiment tout, bah, c'est le mascara. Genre, parce que c'est le regard. Genre, vraiment. À partir du moment où tu mets du mascara, genre, c'est vraiment. On dirait qu'il est maquillé, quoi. Ouais. Mais regarde comment je suis en train de détester, regarde toi, tu mets rien. Non, qui est la plus serviable? Oui, vraiment, tu peux rien lui demander. Mais quoi? Mais c'est faux! Mais c'est faux! Déjà, je ne demande jamais. C'est faux! Dites-moi que vous avez la réplique. Est-ce que vous parlez de tout entre vous? Genre vraiment tout. En vrai, je te cache rien. On parle pas de tout. Genre, c'est rien, il y a un écart d'âge. Oui, mais... Je te disais rien pendant très longtemps parce que, genre, j'étais hyper pudique et tout. Même Vincent, il est comme ça, genre, il disait pas grand-chose. Ouais, voilà, c'est ça aussi. Genre, tu lui disais un truc, elle allait s'en servir contre toi alors. Oui, en fait, à partir du moment où je pense qu'elle a l'âge pour que je parle des choses, bah c'est ok, genre. On a 7 ans d'écart. Ah, Romy, t'as craqué ton dos là. Arrête. Je suis trop forte. Comment est-ce qu'on décrit notre relation? Je suis pas genre, j'ai trop soif. Il y en a pas dans la terre. Bah, très solidaire. Jamais de bas. Pas mal de bas. Que des bas, même. Pas mal de bas. Que des bas même. Est-ce que tu me piques souvent mes vêtements? Hein? Maintenant c'est qui me pique mes affaires de mon bureau, mes affaires de mes vêtements. C'est toi. En fait, ouais. Je te vole des trucs qui sont à moi de base. Et à chaque fois que genre je reçois un colis, genre t'es en fait, pas là. Je suis pas là, mais ça veut pas dire que puisque je suis pas là, il faut l'ouvrir, le déballer et le mettre dans ses affaires de bureau. Elle va me prévenir ou alors me prévenir une semaine après et me dire ah mais Julia, t'as pas remercié la marque pour tous les produits que t'as reçus finalement. Je savais pas que je les avais reçus puisqu'ils sont sur mon bureau. Bon, viens, quand est-ce qu'on bouffe la maison? Bah viens, on fait des présentations alors. Vous avez une petite maison. Le principe c'est que ça bouge. C'est résistant au séisme. Voilà, ça bouge. C'est en fait c'est des infrastructures endommagées pour pas qu'il y ait plus de dégâts. Là, risque de séisme. Bim bim bim. Et là, force 10. Hein. Après, dans la maison, petite surprise pour vous. À moi. Il y a un petit sapin à l'entrée. C'est Christmas. On a un petit bonhomme parce que c'est la maison du bonhomme. Et genre, tout est rose. Il y a même une petite cheminée en sucre d'orge. Si c'est pas kiki. Là, j'ai fait une petite porte. Là, c'est rose encore. On slay. On slay. Et on slay. Bon, j'avoue, j'ai un peu tout donné sur cette partie. Arrête! Ah. Je suis tout
touche pas, tu touches pas. Et là, en fait, vous venez et vous ouvrez. Ah, trop mimes. Et là, dedans, on a des petits Smarties. Pensez que qui a gagné, honnêtement, moi, je pense que c'est moi, genre de loin. Oh, ça va très mal finir cette vidéo. Alors oui, je t'explique en fait. Tant que j'ai pas ma photo Insta, je bouge. Oh, zéro. Résistance au séisme et ça ne marche pas. La résistance au séisme est de 40 000. Oh oh, on m'appelle. Attends. Allô? Eh, par contre, c'est trop bon, je me suis régalée. Bon, voilà, cette vidéo était un carnage, comme vous pouvez le voir. Mais par contre, c'est une trop bonne idée de concept à faire à la maison. Tu fais quoi, ma belle? Bah, je réponds à mes vannes. C'est honteux. Ouais, on vous fait plein de gros bisous et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Que vous soyez seul ou pas seul, avec la famille ou avec vos amis. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez rigolé. Parce que nous on a rigolé, on a kiffé faire ça. Et maintenant je vais aller voir mes amis faire la fête. Ouais. Bisous. Allez, travaille. Ciao ciao.